Bonjour à vous tous, bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors aujourd'hui, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré un ami il y a peu de temps et ça m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Bien souvent, on dit aux personnes, eh bien écoutez, pour ne pas avoir de problème de goût de bouchon, eh bien il faut coucher les bouteilles. Il faut les stocker, coucher les bouteilles. Alors, pourquoi est-ce qu'on va stocker les bouteilles couchées? Eh bien, je vais répondre rapidement à cette petite question. Alors, tout d'abord, je vous invite à vous rendre sur le site www.letonneaudesamis.fr et vous allez pouvoir trouver plein de vins, mais aussi une formation, mais aussi des cadeaux d'entreprise, des cadeaux personnels. Et je vous invite bien sûr à me laisser votre adresse mail où vous recevrez toutes les nouvelles du tonneau des amis. Alors pourquoi est-ce que nous allons coucher les bouteilles pour ne pas avoir de problème de goût de bouchon? Eh bien, il faut savoir que le vin dans la bouteille, une fois dans la bouteille, continue à évoluer, à grandir. Et c'est pour ça d'ailleurs que les vins qui restent très longtemps en bouteille peuvent être de très très bons vins. J'ai eu l'occasion de goûter des vins de nombreuses années en arrière. Et puis, donc les vins continuent à évoluer et le bouchon qui bien souvent est en liège, laisse passer petit à petit l'oxygène pour qu'il puisse rentrer dans cette évolution du vin. Et en fait, pour ne pas avoir de problème de goût de bouchon, eh bien on va coucher les bouteilles pour que le vin reste en contact avec le bouchon. Le bouchon doit être humidifié par le vin et le vin doit prendre l'oxygène qui vient directement du bouchon. Donc toujours, toujours coucher les bouteilles de vin pour avoir toujours ce contact entre le vin et le bouchon, entre l'oxygène et le vin. Alors, moi, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je vous invite à nous retrouver sur le site www.letonneaudesamis.fr et puis, bien sûr, à nous laisser votre adresse mail, puisque nous allons avoir l'occasion très souvent d'échanger plein de petites nouvelles. Alors moi, je vous dis à très bientôt et puis on continue bien sûr à apprendre autour du vin. À bientôt, salut!